invité politique ce matin, c'est Raquel Garrido. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes députée de la France Insoumise et la Seine-Saint-Denis. On est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Julien Lécuyer de La Voix du Nord. Bonjour, Julien. Désolé, j'ai failli détruire le décor, je m'en excuse. C'est une arrivée en fanfare. Merci d'être avec nous, Julien. On va évidemment parler de la situation dans le pays ces derniers jours. Raquel Garrido avec vous. Et hier, le Sénat a auditionné Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, sur les émeutes de ces derniers jours. Il en a fait le bilan, il a défendu sa gestion de ces émeutes. Est-ce que l'exécutif a bien géré la situation ? Non. Non. Pourquoi ? Mais après, il y a situation et situation. Je fais une différence entre le meurtre de Naël, et j'utilise meurtre non pas parce que je m'attribue le droit de qualifier juridiquement les faits, mais parce que c'est la qualification juridique qui est retenue à ce stade, pour le moment, par l'autorité judiciaire, que ce soit le procureur, la justice. Donc c'est pour ça, homicide volontaire, c'est meurtre, et ça n'est pas rien. Ça n'est pas rien que justement la qualification retenue soit le meurtre et que le policier en cause soit en détention provisoire. Ça n'est pas rien, c'est plutôt nouveau dans le traitement de ces affaires-là. Ça, c'est la première situation, et ça a généré une réplique dans la société. Mais juste, est-ce que c'est pas la preuve qu'il y a de la fermeté vis-à-vis des policiers ? Ça prouve, en tout cas, que côté judiciaire, il y a eu, après la circulation de la vidéo, c'est quand même, on n'est pas naïf, on le sait tous, qu'il y a avant et après la vidéo, et que c'est la vidéo qui change tout. Du coup, ça veut dire qu'on ne peut pas en rester au traitement judiciaire. On ne peut pas juste dire, c'est un cas individuel traité par la justice, et puis politiquement, il n'y a rien à faire. Non. Là, c'est là où le gouvernement n'a pas bien géré, si vous voulez mon avis, parce qu'il y avait des choses à dire sur ce que révèle cet homicide volontaire. Et il révèle un problème systémique dans la police, qui est de deux ordres. Le premier, et c'est Henri Leclerc qui l'avait dit sur votre plateau, très rapidement après les faits, il avait 100% raison. La question de l'article 435-1, au minimum le quatrièmement du Code de la sécurité intérieure, qui est le fameux article qui permet à un policier d'utiliser son arme dans le cas où il pense que la personne est susceptible de... Vous voyez, c'est un vocabulaire tellement flou que ça a généré une explosion du nombre du jazz de l'arme et du nombre de morts. Donc là, il y a un problème. Et puis, il y a l'autre problème aussi, qui est la question du racisme. C'est-à-dire, on ne peut pas se permettre de laisser prospérer dans la police des opinions racistes qui sont elles-mêmes des délits. On va déjà revenir sur la première question, parce que hier, Gérald Darmanin en a parlé lors de son audition de ce fameux article que vous contestez. Il dit que ce n'est pas parce qu'un policier ne respecte pas la loi qu'il faut changer la loi. Est-ce qu'il n'a pas raison ? Non, il n'a pas raison, parce qu'en l'occurrence, c'est d'abord qui n'a pas respecté la loi, c'est le tribunal qui le dira à la fin, la cour d'appel, j'imagine la cour de cassation, etc. Attendons, d'accord ? Sur ce cas spécifique, la qualification juridique ultime des faits sera donnée par à la fin de la procédure. Et j'ai quand même noté, dans l'énoncé des faits par le procureur, que les mis en cause parlaient du fait qu'ils pensaient qu'il y avait un risque de mise en cause de l'intégrité physique des passants, etc. Donc ils ont tout à fait intégré ce vocabulaire de l'article 435-1. Et les circulaires, un non-respect de la loi, est-ce que c'est pour ça qu'il faut changer la loi, parce qu'un policier n'aurait pas respecté la loi ? Mais ce que je vais vous dire, c'est que c'est pas certain que la justice aboutira au non-respect de la loi. Ils vont plaider que c'était la loi. Vont le plaider. Et c'est inacceptable de la part du ministre de l'Intérieur de ne pas regarder en face ce problème de l'article 435-1. À dire vrai, peu importe finalement les faits vis-à-vis de la mort tragique de Naël, c'est qu'il faut aussi regarder l'ensemble des faits suite au vote de la loi de 2017. Alors je ne dirais pas que peu importe, mais j'ai compris ce que vous allez dire, c'est-à-dire nonobstant. Le traitement judiciaire de l'homicide volontaire de Naël, il faut absolument changer la doctrine d'emploi de la force armée dans la police. Il y a la question de la circulaire, il y a la question de la loi elle-même. On a fait un petit peu d'archéologie, on est retourné en 2017 voir les débats à l'époque. Le Sénat avait changé le texte, etc. Il y avait des députés, pour Yahamir Chahi, qui avaient dit qu'on créait une zone de zone grise qui allait être belligène, qui allait être criminogène. Et c'était tout à fait vrai. Donc maintenant, il faut changer ça. Comment on fait face à des refus d'obtempérer qui sont en augmentation ? Eh bien, comment on fait, madame ?
Mais c'est, non, mais on tire sur les gens puisque, non, mais puisque vous voulez changer la loi. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire pour répondre à cette situation? L'article 435-1 n'est pas un article sur le refus d'obtempérer. Le refus d'obtempérer, c'est un délit à part qui est puni, incriminé, etc., sanctionné. L'article 435-1 est un article sur l'usage de l'arme. D'accord? Par les forces de l'ordre en cas de danger, notamment. En cas, notamment. Donc, en fait, c'est ça qu'il faut mettre à plat. C'est à quel moment c'est absolument nécessaire, utile, efficace dans la lutte contre la délinquance et la criminalité, d'utiliser l'arme. C'est tout. Je veux dire, les conducteurs de ce pays, hein, ceux qui lisent automoto et tout ça, je pense qu'ils sont d'accord avec moi pour dire que les délits routiers ne doivent pas entraîner la mort des conducteurs. Est-ce que vous avez entendu le président de la commission des lois, Sacha Houlier, qui a parlé d'une mission d'évaluation de cette loi à la rentrée? Est-ce que vous y souscrivez? Et est-ce que vous vous satisfaisez qu'il y ait un bougé de la part de la majorité là-dessus? Oui, et bien sûr. Et je pense qu'ils ont un peu tardé. Et puis, c'est pas seulement au niveau de Sacha Houlier qu'il faut le dire. Que le président de la commission des lois le dise, c'est très bien. Et il faut évidemment, s'ils engagent effectivement une telle mission, nous en serons. Moi, je suis membre de la commission des lois. Je suis membre de la commission des lois. Donc, c'est un travail législatif important, urgent, sur lequel il y a du recul. Mais vous y participez. Vous souhaitez que ce soit transpartisan. De toute façon, nous sommes membres de la commission des lois. Nous faisons notre travail. Mais là, ce que je veux dire, c'est que c'est pas la peine de patienter. C'est pas la peine d'attendre. J'ai entendu beaucoup de discours qui disent on peut pas réfléchir à chaud, mais c'est pas à chaud. Il y a déjà eu 13 morts l'année dernière, donc on n'est pas à chaud. Il y a du recul depuis 2017. Il y a des comparaisons aussi à faire avec la gendarmerie, etc. On a un recul. Donc ça fait partie des choses que le gouvernement aurait pu d'ores et déjà annoncer comme un chantier rapide. De toute façon, il y en a deux. C'est article 435-1, quatrièmement, pour être vraiment aller au plus polémique, on va dire au plus problématique, et la question du racisme. Et la question du racisme. Pardon pour finir, mais comme il y a une mission qui va être lancée, est-ce que vous maintenez votre proposition de loi d'abrogation de cet article ou est-ce que du coup vous la redécalez à plus tard en attendant les conclusions de cette mission? Non, de toute façon, il y a plusieurs propositions de loi sur la table. Sophie Taillé-Polian, Les Insoumis, Sabrina Sebaï qui est députée de Nanterre, travaille aussi. Donc tout ça va converger. Vous avez vu comment fonctionne l'Assemblée nationale aujourd'hui. De toute façon, l'Élysée n'y est pas majoritaire. Donc, quand il y a des majorités, c'est que, à un moment donné, on a additionné plusieurs groupes. Mais vous continuez sur cette proposition de loi quand même, malgré cette mission d'information. Oui, bien sûr, mais moi, je suis très pragmatique. Je veux qu'on change cette loi bien, vite. Et j'en fais pas une question dogmatique, j'en fais pas une question pour me singulariser. Je veux sauver des vies, qui est normalement aussi l'objectif de la police. Parler des maires, Julien ? Oui, puisque Emmanuel Macron a annoncé qu'un projet de loi d'urgence pour la reconstruction des bâtiments municipaux serait examiné, alors dans l'idéal, avant la pause estivale. Est-ce que là aussi, c'est quelque chose que vous pouvez soutenir ? Alors non, là pour le coup, je n'ai rien compris à son histoire de loi d'urgence sur le matériel. Premièrement, parce qu'il s'agit de changer les règles de l'urbanisme pour contourner les appels, voilà, les marchés publics. Et c'est pour réduire les délais pour pouvoir construire tout ça. Non, mais d'accord. Oui. Un peu sur le modèle de ce qui a été fait, par exemple, pour Notre-Dame. Oui, bon, mais ce qui compte vraiment pour les municipalités, là où il y a eu des dommages, d'abord, c'est la question quand même de l'engagement financier. Parce que parallèlement à ça, le ministre de l'économie dit on lâchera plus un seul euro pour les banlieues, etc. Bon, donc il faudrait savoir. Et puis surtout, il faut une loi d'urgence pour l'immatériel. C'est l'immatériel qui est le gros souci. Le matériel, ça se reconstruit. C'est l'immatériel qu'il faut soigner dans ce pays. Et c'est sur ce point, moi, ce qui me frappe, c'est à quel point les autorités n'ont rien à dire sur justement la fabrication de la paix dans notre pays. Il y a une forte aspiration à la paix. Nous devons obtenir la paix. La paix, c'est le consentement. La paix, c'est la démocratie. C'est le fait que nous soyons d'accord avec les règles parce qu'on voit bien que la loi est la volonté générale. Et c'est ça qui est en panne aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que vous avez un gouvernement qui est oligarchique dans le sens où il concentre le pouvoir, on l'a vu avec le président et ses 49-3 successifs, on l'a vu, le conflit des retraites a eu une dimension démocratique très pédagogique. Tous les Français ont compris que nous avions désormais 49-3 raisons de passer à la 6e République. Et puis, à 49-3, vous aviez le pouvoir de déposer des motions de censure, ce que vous avez fait, qui ont échoué.
Oui, mais c'est pas la même. Vous êtes d'accord avec moi que voter une motion de censure, c'est pas la même chose que de voter la loi. Vous étiez là le 16 mars à nous observer, les 577 députés, lorsque nous étions tout prêts à voter, et que juste parce qu'ils n'étaient pas certains du résultat, l'Élysée a enlevé ce vote. C'est que c'est pour le pays, pour le monde entier, ça a été un choc, un électrochoc démocratique. Et face à ce risque-là, parce que l'absence de modalités pacifiques pour faire la loi est belligène, génère de la tension dans la société. Et vient se rajouter une autre tension, une autre source de guerre, qui est cette petite culture, cette musique de la guerre civile qu'entretient l'extrême droite et la droite sénatoriale. La droite sénatoriale, je dois mais dire... Mais c'est dans le même panier, l'extrême droite et la droite sénatoriale. Depuis deux jours, là, ce que disent M. Retailleau et la sénatrice du Val-d'Oise, dont j'oublie... Madame Eustache-Brignon. Voilà. C'est une culture de la guerre civile. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'on va distinguer entre Français... de leur point de vue à eux, et ils oublient la base de ce qu'est l'histoire de notre pays et la citoyenneté. La France est une nation civique, pas une nation ethnique. Et c'est l'immigré qui vous le dit. Moi, je suis arrivée en France à l'âge de 14 ans. Je suis devenue française à l'âge de 25 ans. Voilà, j'ai repris mes études à 35 ans, quand mes enfants, les petites, elles avaient grandi, elles sont sorties des couches, je suis surtout retournée à l'université, je suis devenue avocate. À 48 ans, je deviens députée. Je n'accepte pas que des sénateurs disent qui est les bons Français, qui n'est pas un bon Français. Nous sommes égaux. Et dire le contraire, c'est semer la graine de la guerre civile, ce qui est profondément dangereux, profondément inacceptable. C'est pour vous une des représentations du racisme systémique de la société française dont vous parliez ? C'est une expression raciste, ça c'est évident. Quand M. Retailleau parle d'origine ethnique, il y a une obsession pour les origines, une obsession pour l'ethnique. Il parle de sorte de régression vers les origines ethniques de la part de la deuxième et troisième génération. C'est délirant. C'est fou comme expression, parce que ça met une question de hiérarchie, etc. En fait, bon, Bruno Retailleau fait partie d'une tradition politique française qui n'est pas récente, qui date de 230 ans. Eux n'ont jamais accepté qu'à la Révolution française, on fasse de la France une nation civique, c'est-à-dire où précisément l'ethnie, la religion, etc., étaient indifférentes. C'est ça, c'est en cela que la République est grande et qu'elle est magnifique et que c'est pour ça qu'on y adhère. Et je le vois avec mon propre parcours d'immigré, c'est si facile d'être français en réalité parce qu'on a une conception de la patrie qui est une patrie républicaine avec ses droits universels. Mais il y a toujours eu, depuis le début, et notamment en Vendée, des gens qui n'étaient pas d'accord avec la France républicaine. Et bien ceux-là, il faut les mettre en minorité. Et il faut que nous, la majorité des Français, qui sommes pour la République, pour la paix, et pour justement qu'il n'y ait pas de discrimination, qu'il n'y ait pas de racisme, c'est nous qui devons vaincre. Mais ce combat est devant nous. Il y a les tenants de la nation ethnique, les tenants de la nation civique. Pour le moment, dans l'histoire de France, nous avons gagné. Mais ce combat est encore devant de nous, parce que les forces qui sont obsédées par l'ethnie des autres sont quand même actuellement en train de se réarmer et c'est un problème. J'ai entendu Raquel Gallardo dans vos mots celui de paix, d'apaisement, vous martelez là-dessus et en même temps LFI a été mise en cause pour ses propos, Jean-Luc Mélenchon qui n'appelait pas au calme, je rappelle aussi Alma Dufour qui tweetait qu'il ne se passe jamais rien sans rapport de force et que oui, la fin justifie les moyens. Est-ce que c'est propre à alimenter la paix que vous souhaitez. Alors, je pense que le calme, c'est pas une notion politique. Calme, ça veut rien dire. Calme, une pierre est inerte, elle est calme. Quand je suis dans mon jardin, je prends le soleil, je suis calme. Le calme, c'est pas parlant en politique. Pour moi, ce qui est parlant, c'est la paix, qui est une construction. Alors, est-ce qu'on veut revenir sur les mots, Raquel Garrido? Non, certains chez vous n'ont pas appelé à la paix non plus. Je ne joue pas sur les mots parce que calme et pas calme, c'est justement le vocabulaire de l'oligarchie et de l'extrême droite. Et donc, effectivement, il ne fallait pas entrer dans cette latéralité-là. Effectivement, ne pas appeler au calme. Il fallait, selon moi, récuser le calme et la paix. C'est-à-dire, je pense que Alma Dufour fait référence au combat progressiste, par exemple, elle-même est une activiste en matière environnementale. Est-ce que vous comprenez que ça peut être entendu comme une justification de la violence? Je le sais que de sa part, ça ne l'est pas. Mais en tout cas, nous n'avons pas le droit, je pense, à ce niveau de la compétition, et compte tenu du risque que toutes nos petites erreurs ou nos défauts de calibrage dans l'expression soient utilisés par l'extrême droite et l'oligarchie, je pense qu'il faut faire attention. Je préfère que nous incarnions
la paix qui est une construction, comme je l'ai dit, et qui passe aussi, et là c'est le combat que je mène à l'Assemblée nationale avec le groupe de travail que je pilote, le groupe de travail NUPES pour la 6e République, il va falloir qu'on se regarde tous les Français et qu'on se dise, malgré nos désaccords, est-ce qu'on est capable encore de faire une patrie commune? Est-ce qu'on est capable de se doter d'institutions d'une 6e République qui nous permettra d'être en désaccord? Mais est-ce que certains chez vous, à commencer par Jean-Luc Mélenchon, n'ont pas fait une erreur dans la période actuelle? Écoutez, moi, ça fait 30 ans que je milite avec Jean-Luc Mélenchon. J'ai fait les 3 campagnes présidentielles. Personne ne m'ôtera tout ce que j'ai fait, la loyauté, etc. Mais je vous le dis, je ne veux pas être porte-parole à vie des expressions de Jean-Luc Mélenchon. Donc vous avez une difficulté avec ce qu'il a dit, demandez à M. Mélenchon. Parce qu'elles sont une erreur et qu'elles mettent la France insoumise en difficulté. Là, vous avez Raquel Garrido. Et moi, je vous dis comment je pense qu'il faut s'exprimer parce que je le fais. Je ne veux pas commenter les choses des autres. Mais parce que vous sentez aussi en difficulté avec ces expressions. C'est encore lui qui incarne beaucoup votre mouvement. Je ne suis pas en difficulté car je me sens pleinement responsable, moi, de ma part de pouvoir. J'ai une certaine éthique du pouvoir. Je suis députée désormais. Je compte pleinement utiliser ce pouvoir pour faire avancer mon pays, notamment en facilitant le fait qu'on passe à la 6e République, qui est une tâche importante, en profondeur, que nous menons avec sérieux. C'est ça que je souhaite incarner. Raquel Garrido, on entend ce que vous dites, vous avez votre voix propre, mais vous êtes aussi une représentante de la France insoumise. Bien sûr. Qui est aussi représentée par une voix encore plus forte, celle de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'à un moment donné, cette divergence de vue sur l'expression, sur même la stratégie, sur la façon même de concevoir la communication politique, ne va pas créer un schisme au sein de LFI ? Non, pas de schisme, mais simplement admettez que du coup, peut-être on peut tous concevoir que personne n'est infaillible. Voilà. Ce que ça montre surtout, c'est qu'il faut tous sortir du côté sauveur, là. Moi, ce qui me frappe quand j'observe la vie politique française, c'est qu'il y a toujours cette idée que papa sauveur. C'est-à-dire, on est dans une monarchie présidentielle. Notre institution, la 5e République, est une monarchie présidentielle. Et la vie politique s'articule autour de gens qui veulent être monarques à la place du monarque. Et bien moi, je dis, c'est avec ça qu'il faut rompre. Ce que j'aime à la NUPES, ce que j'adore à la NUPES, c'est que la NUPES est chorale. C'est collégial. C'est ça qui compte. Et pour moi, c'est ça la force. Oui, donc, en ce moment, vous ne trouverez jamais personne qui ne fait pas d'erreur qui ne fait pas d'erreur. Ça n'existe pas. Donc arrêtons avec ce rêve-là et construisons quelque chose de plus adulte. Mais cela dit, la NUPES, justement sur ce thème des émeutes, semble plus en effet dissonante que convergente. J'en veux pour preuve là, Olivier Faure qui avait évoqué, j'allais dire presque comme vous, un profond désaccord avec Jean-Luc Mélenchon et ajouté qu'on ne peut pas donner le sentiment d'encourager et d'accepter la violence. La seule réponse qu'il a eue, c'est pas celle de dire oui, peut-être il y a eu une expression maladroite, c'est de Manuel Bompard qui lui a rappelé, qui a pointé du doigt le fait qu'il avait voté la loi Cazeneuve. Est-ce que c'est comme ça vraiment qu'on scelle l'union et qu'on alimente la cohésion? Je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur le conflit qui est réel et qui est sans doute beaucoup plus homérique que nous avons avec l'extrême droite et avec l'oligarchie. Aujourd'hui, on d'ennemis, quoi. Oui, quand même, un petit peu, là. Mmh. C'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas se permettre ça. C'est pour ça, d'ailleurs, que toutes ces histoires autour des européennes, des sénatoriales et tout ça... Ouais, on va en dire un mot, mais juste quand vous avez entendu Elisabeth Borne... C'est une friture sur la ligne qui n'a pas lieu d'être. Quand vous avez entendu Elisabeth Borne cette semaine, une fois de plus, dire que la France insoumise ne se situe plus dans le champ républicain, est-ce que du coup, vous n'êtes pas abîmé par certaines voix chez vous qui font tirer ces conclusions exécutives? Mais cette expression est gravissime, est gravissime. Elle est gravissime d'abord parce qu'elle nie... l'action politique qui doit naître du meurtre de Naël. C'est-à-dire... Comme le gouvernement ne se focalise que sur la question des dégradations qui ont eu lieu, des émeutes, etc., il ne parle que de ça. C'est pas vrai. Face au maire, les chantiers évoqués par le président de la République, il s'attache aussi au reste du problème. Non, puisqu'il n'aborde pas la question de la réforme à la police. Je suis désolée. La réforme de la police, elle a déjà été évoquée par Gérald Darmanin on a réuni les 200 maires. Moi, j'en ai parlé au maire de ma circonscription. Et c'est consternant à quel point les réponses du gouvernement sont vraiment, comme je disais, la loi d'urgence sur le matériel et rien sur l'immatériel. Rien sur l'humain, rien. Et c'est ça le problème. Donc, et vous avez les questions au gouvernement hier, et on a vraiment l'impression que le responsable de tout, c'est la France insoumise. Tout, c'est-à-dire le meurtre de Naël, les dégradations, etc., tout est la faute de la France insoumise. Là, je trouve que
C'est grave, parce que ça veut dire qu'on nie, le rôle qu'a un gouvernement quand il doit gouverner. Le gouvernement, il doit prendre des décisions sur la question de la police, et je le répète, c'est la troisième fois que j'essaie de vous en parler, le racisme dans la police. On a c'est un problème, ils doivent le traiter. Mais c'est un problème systémique pour vous, c'est ce que vous dites. Évidemment que c'est un problème systémique. Il n'y a pas des policiers qui pourraient faire des actes de racisme, pour vous, il y a un racisme systémique dans la police. Mais madame, à la fin, un policier plus un policier plus un policier, ça fait quand même beaucoup de policiers. Donc, toute façon, une hiérarchie, il y a une chaîne de commandement. Et ça n'est pas possible d'accepter cette forme de délinquance, parce que, encore une fois, le racisme est une délinquance. On ne peut pas accepter la délinquance au sein de la police. Et est-ce qu'il y a un problème d'autorité parentale ? Je vous posais la question parce que vous voyez venir. Oui. Le président de la République a noté qu'il fallait réfléchir à une meilleure responsabilisation des parents, peut-être via aussi des amendes plus systématiques, dès le premier fait. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que cette attaque contre les familles est la marque de la culture de l'impunité qui est la marque de la Ve République. La Ve République, qu'est-ce qui la caractérise ? C'est que la personne qui a le plus de pouvoir gouvernant, qui concentre le plus de pouvoir gouvernant, le président de la République, est irresponsable au sens constitutionnel du terme. Il ne rend compte à personne. Ça n'existe dans aucune autre démocratie, cette façon de faire de la politique. Donc ça crée une culture de l'impunité politique. Une culture de je fais ce que je veux, parce que j'ai été élu, vous m'avez mis là, je suis président, donc les retraites à 64 ans et ainsi de suite, je fais ce que je veux. Et deuxièmement, impunité, c'est pas de ma faute. Regardez, c'est la faute aux parents, c'est la faute aux insoumis. C'est la faute à tout le monde, sauf au président de la République. Donc moi, je dis à ce président de la République, c'est de deux choses l'une. Soit les choses sont de son fait et il assume, soit ils ne sont pas de son fait et il démissionne. Parce que ça veut dire qu'il n'est pas en train de faire son travail dans ce cas-là. Et en bout de course, il faudra se poser la question, parce que c'est ça aussi, l'heure est venue. Il faut qu'on se pose la question de savoir si dans ce pays, oui ou non, on a encore besoin d'un président de la République. Est-ce que cette fonction-là, cette fonction institutionnelle, ne nuit pas à la capacité des Français de s'autodéterminer ? Un dernier mot, Raquel Garrido, pour parler des sénatoriales, hein, puisqu'elles ont lieu fin septembre. Un accord national a été trouvé à gauche entre le Parti communiste, le Parti socialiste et les écologistes, donc sans vous. Comment réagissez-vous ? Bon, d'abord, je sais que je suis à Public Sénat et qu'il faut dire du bien du Sénat. Non, pas forcément, vous dites ce que vous voulez. Moi, je l'ai déjà écrit, dans un livre sur la Sixième République en 2015, je suis pour la suppression du Sénat. D'accord. Et je suis absolument pas pour que toute la gauche saute à la corde sur une élection qui concerne 160 000 électeurs et sur lesquels, là, il y aurait dans 14 départements, sur 50, un accord entre trois partis parce que par ailleurs, personne n'a réussi à se mettre d'accord sur les autres départements. La vérité sur les sénatoriales, c'est que c'est une élection... Il y a 28 cuisine, départements qui sont renouvelables à la proportionnelle. C'est de la cuisine entre sénateurs localement. Ça donne lieu à des choses qui sont innommables. Parfois, vous verrez, par exemple, personne ne l'a souligné ça. À droite, parfois, ils sont d'accord entre eux, mais ils présentent plusieurs listes. Pourquoi ? Pour contourner les règles sur la parité. Parce qu'ils préfèrent élire trois têtes de liste hommes plutôt que de faire des listes hommes-femmes. On sent bien que vous ne serez pas candidate au sénatorial. Donc pour vous, ce n'est pas un problème que cet accord se fasse sans vous. Les sénatoriales, ça ne vous concerne pas. Évidemment, je pense que ça aurait été intelligent de proposer une place de sénateur aux insoumis qui, peu cher, ne demandaient pas grand-chose. Mais une fois que... Bon, on a bien compris, mais c'est qu'on n'est pas d'accord sur les sénatoriales, a priori pas d'accord non plus sur les européennes. La NUPES était avant tout un accord électoral. Est-ce que ça ne veut pas dire que finalement, on s'achemine vers la fin de la NUPES ? Je ne le laisserai pas faire. Donc, je serai partie des personnes qui feront tout pour que la NUPES soit en mesure de gouverner. Encore une fois, je pense qu'il faut qu'on sorte de la culture de monarque à la place du monarque. Et je vois la NUPES comme cet outil de la prise de pouvoir démocratique avec une nouvelle culture. Par exemple, je pense que quand on va aux élections présidentielles, il faut dire qui va être le ou la première ministre. Il faut le dire, parce que c'est l'article 20 de la Constitution. Le premier ministre détermine et conduit la politique de la nation. Il faut dire le gouvernement. Il faut dire, adosser ça à l'élection législative. Comme on l'avait fait d'ailleurs, là, ce qui était intéressant en juin 2022, c'est « Élisez-moi Premier ministre ». On n'élit pas le Premier ministre, mais c'était très subversif et très intéressant. Merci beaucoup. Merci Raquel Garrido.